Depuis plusieurs années, Sabrina Ouazani file le parfait amour avec Franck Gastambide. Et ils aimeraient avoir un enfant. J'aimerais me lancer dans cette nouvelle phase de ma vie. Mon horloge biologique tourne, ça me titille, explique Sabrina. De quoi la remplir de joie, elle qui a traversé une période bien plus sombre. En 2009, elle a en effet perdu son premier amour. À 20 ans, la jeune femme était fiancée à Yasmine Belmadi, étoile montante du cinéma français. Mais au volant de son scooter dans le 13e arrondissement de Paris, alors qu'il tentait de se débarrasser d'un mégot de cigarette, le jeune homme avait percuté de plein fouet un lampadaire. Un accident fatal au comédien de 33 ans qui décédera quelques heures plus tard des suites de ses blessures et brisera le cœur de sa jeune fiancée qui ne manque depuis jamais l'occasion de saluer sa mémoire lorsque le triste anniversaire de sa mort se présente. Parti depuis 13 ans, mais loin d'être oublié.